S'organiser et devenir pro pour réussir en MLM. C'est parti! Yes! J'attends juste de m'assurer que... Et voilà, la connexion est faite. Génial! Donc, on commence officiellement aujourd'hui le groupe S'organiser et devenir pro, donc devenir professionnel pour réussir en MLM. Donc, je vais juste attendre de voir que vous vous connectiez, que ça fonctionne. Quand vous arrivez en live, faites-moi un beau cœur mauve pour que je sache que vous soyez là. Bref. Ça va être un live comme ça aussi, sachez-le. Je vais déparler un peu. Ça se peut que je dise des phrases un peu bizarres. C'est la réalité. Je me suis couchée très tard hier. J'ai continué de travailler après la conférence. Là, j'étais vraiment motivée. Donc, je me suis un peu couchée tard. J'ai un peu dormi, mais avec quand même une belle émotion de réfléchir à plein de choses qui s'étaient passées dans la journée. Donc, c'est ça. Hein? Vous allez me le pardonner. C'est une journée où je suis un peu moins à mon affaire avec les mots. C'est pas grave. Bonsoir, ma belle Anne-Laure. Si jamais vous avez des gens que vous connaissez sur le groupe qui ne sont pas en live en ce moment, n'hésitez pas à leur envoyer un petit rappel parce que Facebook ne va pas aviser tout le monde. Donc, tu sais, envoyez-leur des coucous, dire hey, le live est commencé, tout ça, ça me rendrait vraiment service. Bonjour Sandrine, bonjour Cathy. Donc, je vous invite vraiment à mettre un cœur mauve à votre arrivée et si vous l'écoutez en replay, à me mettre le mot replay. Je t'explique brièvement comment... This live video is moderated. Bon, peut-être que je ne verrai pas tous vos commentaires. Là. Facebook vient de m'avertir qu'il a modéré les commentaires pour une raison que j'ignore. Donc, si jamais je ne te réponds pas, c'est parce que je n'ai pas vu ton commentaire. Bonjour Marie-France. Donc, le fonctionnement, OK? À tous les jours, du lundi au vendredi, il va y avoir un live. Il n'y en a pas le week-end. Pourquoi? Parce que moi, le week-end, je travaille seulement pour les urgences. Donc, je ne crée pas de contenu le week-end. Et parce que toi, le week-end, si... tu as du temps pour ton entreprise, je veux que tu sois dans les actions payantes en train de contacter des gens, en train de vendre, en train de faire un atelier. Et si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans les actions payantes, ben je préfère que tu priorises le temps en famille plutôt que le temps avec moi. Donc, du lundi au vendredi, à tous les jours, il y aura un live. J'espère sincèrement que tu as pris le temps de venir mettre des rappels à ton téléphone ou peu importe ton calendrier virtuel. J'espère sincèrement que tu as mis les heures en place. Donc, je te le répète, pour cette semaine, de lundi à jeudi, ça va être la même heure, c'est l'heure présente. Donc, 14h, heure du Canada, heure du Québec. Donc, 14h, ça fait 20h en France, si je ne me trompe pas. Et vendredi, par contre, je serai à 9h le matin. Donc, probablement quelque chose comme 15h là, en France. Je vous invite vraiment à vous mettre des rappels. Et la semaine prochaine, les heures sont plus variables. Il va y avoir des surprises dans les lives. Ça va être pas mal tout le temps moi, mais il y a certains lives où, whoops, ça va être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est un de mes experts de l'académie qui était là lors de la conférence. Okay? Donc, toutes celles qui étaient là à la conférence, un grand merci. On va pas redonner le contenu ici, bien sûr. Vous aviez payé un billet pour être à la conférence, donc on va pas repasser au travers de tout ça. Mais le groupe a été créé vraiment dans l'optique de t'accompagner après la conférence. Et aussi, on l'ouvre à tous parce que certaines personnes vont dire « Ah, j'aurais aimé ça, moi, que mon équipe soit là à la conférence » ou « Ah, j'ai une de mes amies qui est en MLM, j'aurais aimé ça qu'elle entende tout ce que j'ai entendu. » Ben, il est trop tard pour le contenu de la conférence, mais au moins, on a décidé d'ouvrir ce groupe-là vraiment à tous pour continuer à aider, accompagner pendant 2 semaines. On verra, là, si vraiment vous êtes en feu, peut-être que ça durera plus que 2 semaines, mais moi, je peux te dire que si je me fie au passé, Facebook ne va pas envoyer les notifications aux gens, là. Donc, si les gens sont vraiment engagés, vraiment au rendez-vous, peut-être que j'étirerai un peu plus, mais je pense pas, parce que par expérience, au début, vous êtes plus en feu, Facebook vous avertit, et dès que Facebook arrête de vous avertir, ben c'est ça qui arrive, c'est que vous êtes plus présent, parce que c'est comme ça, il y a trop de contenu disponible, et vous oubliez. OK? Donc, vraiment, vraiment, mettez à l'agenda l'heure des lives, allez voir la publication pour vous assurer de rien manquer. Donc, il y a plein de monde qui se sont connectés. Bonjour à Sandrine, Josette, Geneviève, Karine, Nancy, Amandine, Camille. Je suis bien contente de vous savoir là. J'ai fait pas mal le tour du fonctionnement. Vous ne pouvez pas publier sur le groupe, OK? C'est bien simple la raison, c'est juste parce que je ne veux pas que les lives se perdent.
Quelqu'un qui arrive dans 4 jours, qui se connecte dans 4 jours, puis qui dit, hey, moi, je vais écouter les lives de formation, puis que là, il y a plein de pauses de tout le monde, il va se perdre. Donc, c'est juste pour ça. C'est pas parce que je ne veux pas vous entendre. Au contraire, c'est juste que c'est beaucoup plus facile comme ça. Dites-moi si j'ai tort, mais je crois que, peut-être que ça va être après le live, remarquez, je crois que vous pouvez mettre des photos, des vidéos en commentaire et tout ça. Donc, si jamais on vous lance un défi, si jamais on fait des choses comme ça, n'hésitez pas à nous partager vos photos, vos vidéos. Je crois, par exemple, que c'est quand le live est terminé que c'est possible de le faire. Donc, voilà, super, il y en a qui me confirment que ça a été mis à l'agenda. C'est génial. Le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la conversation initiale avec un prospect. Et là, le mot prospect, qui est un mot que j'aime pas tant, c'est comme un mot anglophone, c'est prospect, on ne dit pas tant en français. En tout cas, ton prospect, que ce soit un client prospect ou une recrue prospect, c'est quelqu'un que tu veux convertir. Que tu veux convertir en client ou en partenaire d'affaires. OK? On parle de ça. Peu importe un ou l'autre, ça va être traité de la même façon. Pour toutes celles, je crois que mes commentaires ne fonctionnent pas. Oui, ma belle Anne-Laure, en tout cas, celui-là, je l'ai eu. Mais effectivement, Facebook me dit, il est pas bien fin. Facebook me dit qu'il modère vos commentaires. Remember to create a safe viewing experience by following our enrollment community. Je sais pas trop. This live video is moderate. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vos commentaires ou si c'est mon live en tant que tel. En tout cas, mon live serait modéré. Peut-être que ça l'explique aussi que les gens n'aient pas nécessairement de notification. Tu sais, Facebook fait bien ce qu'il veut, hein? Fait que faites attention aussi à ça. Ne construisez pas votre entreprise juste sur Facebook ou juste sur Instagram. Parce qu'il n'y a rien qui vous appartient. Là, je m'en vais dans un autre sujet, mais si Facebook décide qu'il ne m'aime pas la face ou qu'il n'aime pas mon contenu, ben là, voyez-vous, il modère mon vidéo. Fait que probablement que mes fans de la page pro qui me suivent régulièrement vont recevoir la notification, probablement pas les autres, parce que Facebook en a décidé ainsi. Bref, on parle de prospectus à mettre dans la boîte aux lettres pourtant pour aller chercher les clients dans un but publicitaire. On parle de prospectus à mettre dans la boîte aux lettres pourtant pour aller chercher, mettons, ben... Ça peut être une façon de faire, la publicité comme ça. Honnêtement, je trouve que ça coûte très, très cher pour le résultat que ça apporte. Et les gens qui sont contre l'impression, plutôt du côté environnement, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient tant que ça. Écoute, les envois postaux, là, honnêtement, pour en avoir connu des gens qui ont essayé ça, c'est qu'il faut avoir de la récurrence. Là, on part vraiment dans un autre sujet, là, mais je réponds juste à Amandine. D'envoyer un document pour faire connaître ce que tu fais, faut pas que tu l'envoies juste une fois dans l'année. Faut que tu l'envoies au trimestre à peu près, au moins, donc au moins 4 fois par année aux gens pour qu'ils puissent commencer à avoir de la récurrence. Donc, avoir pas de la récurrence, mais avoir des retombées. Donc, il faut être vraiment récurrent, ça coûte cher quand même. Donc, moi, c'est pas un réflexe dans lequel j'irais en premier, mais effectivement, ça nous sort de Facebook, donc c'est pas une mauvaise idée, pas du tout. Bonjour Annie-Claude. Ah, tu peux pas envoyer des cœurs mauves? Ben oui, Anne-Laure, au tout début, j'ai eu de ta part 1, 2, 3, 4, 5 cœurs mauves, puis après ça, 4 cœurs mauves. Donc, voilà, voilà. Tu disais que tu ne savais pas si on disait prospect en France. Ah, OK, ben vous dites prospectus à mettre dans la boîte aux lettres. Ouais, ça, c'est des prospectus. Mais moi, un client prospect, c'est quelqu'un qu'on aborde pour l'opportunité ou pour les produits. Mais merci de la spécification, Amandine. Moi, je suis partie sur un autre sujet. Ça aurait peut-être donné des idées à quelqu'un et c'est parfait. Donc, la conversation qu'on a avec quelqu'un. Là, dans la conférence, on a parlé de tout un processus de vente, tout un processus de prospection. On n'ira pas là, OK? Parce que c'est plus technique, c'est plus long un peu. Puis c'est quelque chose que je fais vraiment dans l'académie, là, de A à Z avec mes clientes. Donc, si jamais c'est quelque chose que tu as besoin, ben, tu sais, viens voir dans l'académie ce qu'on a à offrir. C'est beaucoup trop technique pour un live Facebook. Mais par contre, je vais quand même te donner des pistes pour t'aider au niveau du premier contact qu'on fait avec quelqu'un, OK? Idéalement, c'est beaucoup plus facile si c'est quelqu'un que tu connais déjà. Tu sais, les inconnus, complètement inconnus, ça peut fonctionner, mais le taux de closing, le taux de réussite va être moins grand. Sache-le. Donc, si toi, tu connectes tout le temps avec des inconnus, ben c'est normal que ton taux de réussite va peut-être être moins élevé que quelqu'un qui contacte des anciens collègues de travail, des mamans d'enfants qui ont un sport en commun avec les leurs, des choses comme ça où est-ce qu'il y a un lien qui vous connecte. Okay? Donc, avec les gens que vous ne connaissez pas du tout, c'est beaucoup plus difficile pour plein de raisons. Premièrement, ils n'ont pas confiance encore en vous. Deuxièmement, ben c'est mal vu le MLM depuis toujours ou presque. Troisièmement, il y en a tellement eu et il y en a encore tellement sur les réseaux sociaux que les gens sont tannés de ça. Donc, tu sais, honnêtement, vers les inconnus, ça va être plus difficile.
OK, bon, parfait. Vous dites prospect aussi, parfait. Ici, on aborde des inconnus, pas des prospects. Pas de soucis, bah, parfait. Donc c'est ça. Fait que la formule que je vais te donner, je l'écris là quand même dans le commentaire, que je vais t'inviter vraiment à t'arrêter et à réfléchir, c'est connecter, question, mission, lien, offre. Ça, c'est comme la formule pour. Parce que je sais que vous aimez ça, hein? Vous cherchez le truc. On veut le truc pour réussir. On veut le truc pour prospecter. On veut la façon, la formule, la séquence, le processus. Je sais que vous êtes comme ça, mais il n'y a pas de magie. Honnêtement, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas une façon que tu vas tout mettre puis peser sur un piton puis ça va fonctionner systématiquement. Ça ne marche pas comme ça. Oui, il y a des entonnoirs de vente qui existent, mais en MLM, les entonnoirs de vente, il faut vraiment les adapter. C'est vraiment une autre façon de le voir. C'est quelque chose que j'enseigne aussi dans l'académie, là, sachez-le, parce que les gens voulaient l'avoir, l'automatisation, l'entonnoir de vente et tout. Mais attention, il y a quand même des nuances. C'est pas genre juste des messages à froid qui vont faire que quelqu'un va devenir membre de ton équipe. T'sais, il y a quand même un travail à faire derrière ça. Bref, si on reconnecte avec quelqu'un, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé, ben ça, c'est l'équation que je vais te proposer. Donc, connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de regarder son profil. Prendre le temps de voir qu'est-ce qu'elle devient, de voir si on est capable de cerner ses valeurs, de cerner ses traits de personnalité, de comprendre un peu sa réalité. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, avant même de contacter quelqu'un, tu devrais aller voir son profil Facebook. Puis déjà, juste là, tu vas éliminer des gens. Parce que c'est pas vrai que tu dois travailler avec tout le monde. C'est pas vrai que tu dois prospecter tout le monde. Donc, si tu vas sur le profil de la personne que tu as envie de contacter, puis tu vois qu'elle a plein de messages, tu sais, en ce moment, on s'entend avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui ont des messages très haineux sur les réseaux parce qu'ils sont pour ou contre le vaccin. Je te donne cet exemple-là. Moi, je m'en fous. T'sais. Honnêtement, que tu sois pour, que tu sois contre le vaccin, ça te regarde, j'aime tout le monde, ça n'a rien à voir. Et tu ne sauras jamais, ben pas tu ne sauras jamais ma position par rapport à ça, mais tu sais, je vais jamais en parler sur les réseaux parce que je trouve pas que c'est quelque chose qui mérite d'être dit. Si jamais je fais un message sur les vaccins, ça va être un message d'amour et de compassion. Merci pour les étoiles! Donc, ça va être un message d'amour et de compassion qui va essayer de ramener les gens ensemble. T'sais, bon, ça, c'est moi. Fait que c'est sûr que si moi j'étais en MLM et j'allais voir les commentaires de quelqu'un, si j'allais voir le profil de quelqu'un avant de le contacter, puis que je vois qu'il y a full de messages de haine parce que lui il est pro-vaccin ou il est anti-vaccin ou whatever, je vais pas le contacter moi pour qu'il fasse partie de mon équipe parce que ça me tente pas d'avoir quelqu'un qui entretient de la haine. Pas parce qu'il est pro-vaccin que je le veux pas, pas parce qu'il est anti-vaccin que je le veux pas. C'est que je le veux pas parce qu'il entretient de la haine. Comprends-tu? Donc, prenez le temps d'aller voir le profil de la personne, d'essayer de voir ce que vous pouvez cerner. Après ça, là, vous irez lui écrire, écoute, ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, j'ai vu tel truc, tel truc, tel truc. Tu sais, allez dans la phase de connexion. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase des questions. Donc, justement, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que tu travailles maintenant, comment vont les enfants? Pose des questions. Et là, les questions que tu vas poser, là, c'est que tu essaies là-dedans d'aller chercher le pourquoi ton produit ou ton opportunité serait bonne pour lui ou pour elle. Donc, tu sais, comment vont les enfants? Ah, oh, ça va bien, un tel est rendu à telle année, oh, ça court, je te dis, on n'arrête pas 2 minutes. Ah, oh, OK, on n'arrête pas 2 minutes, probablement que la routine familiale prend beaucoup de place. OK, tu sais, bon à savoir. Peut-être que la personne aimerait ça avoir plus de temps pour être là pour les enfants au retour de l'école. Tu sais, on se fait une idée, là. Puis là, ben, après ça, est-ce que tu as déjà commencé à penser à tes prochains voyages? Tu sais, mettons que c'est quelqu'un qui voyage. As-tu déjà commencé? Mon Dieu, vous êtes bien fine avec vos étoiles aujourd'hui, merci. Est-ce que tu as pensé au prochain voyage que tu veux faire après la pandémie? Je sais que tu aimais ça voyager. Ah oui, parle-moi-en pas, j'ai tellement hâte d'aller à telle place, mais là, on n'est pas sûr. Bon, OK, tu sais, la personne aime les voyages, la personne. Tu sais, comprends-tu? Pose des questions qui vont t'amener à en savoir plus sur elle, qui vont t'amener à réaliser un peu c'est quoi son pourquoi. OK? Parce que quand tu vas savoir ça va être beaucoup plus simple pour toi de la prospecter. En passant, il y a des gens qui m'ont demandé combien de temps les lives vont durer. À peu près 20 à 30 minutes, j'essaie de vous faire ça court. OK? Mais si vous prévoyez 1 heure, c'est génial puisque vous allez pouvoir mettre en application ou venir travailler ce qu'on a discuté. Je t'invite d'ailleurs à toujours écouter les lives avec papier et crayon, j'aurais dû le dire au début. Donc voilà, fait que là, tu as la première phase de connexion, tu as la deuxième phase de questions pertinentes pour essayer d'aller voir en quoi ton produit ou ton offre serait bon pour elle. Parce que
Au final, là, les gens vont acheter ton produit ou les gens vont joindre ton opportunité, pas pour tes raisons à toi, mais pour leurs raisons à eux. Parce que pour eux, ça fait du sens. Que ce soit la mission qu'il va y avoir derrière ça ou que ce soit pour gâter les enfants, c'est pas ça l'important, mais il faut que tu saches qu'elles vont joindre pour leur mission. Ouais, des questions intelligentes. Des questions intelligentes, ma belle Aurélie, parce que tu sais, on veut, tu sais, c'est pas juste comme, puis fais-tu beau par chez vous, tu sais, ou tu sais, la température, c'est bien beau, là, mais ça va pas nous amener vraiment à savoir grand-chose. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui passionne la personne, quels sont ses défis au quotidien, tu sais, d'aller comprendre tout simplement sa réalité et ses besoins. Fait que tu poses des questions dans ce sens-là. OK? D'ailleurs, Aurélie, tu es académicienne, ma chérie, dans le module de la prospection, tu en as là, des questions intelligentes à poser. Donc, je reviens. Questions intelligentes. Un coup que ça c'est fait, là, tu es en train de tracer le pourquoi ton produit ou ton opportunité pourrait être bon pour elle. OK? Ensuite, souvent, quand on va demander aux gens des questions, puis justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qu'est-ce que tu deviens, bien souvent, ils vont nous reposer la question. Puis toi, qu'est-ce que tu deviens? Et là, c'est le temps. Là, c'est le temps de mettre ta mission d'entreprise de l'avant. OK? On va peut-être en parler plus tard là, dans un autre live, la différence entre mission d'entreprise, pourquoi personnel et mission de vie, version Nancy. Sinon, j'ai déjà préparé une publication à ce niveau-là parce que je sais que c'est mélangeant. Mais bref, là, c'est le temps quand la personne te demande, puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de mettre votre mission d'entreprise de l'avant. Mission d'entreprise personnelle, hein? Mes académiciennes le savent, c'est quelque chose qu'on travaille au tout début de l'académie parce que pour moi, hyper important. Ta mission d'entreprise personnelle, si je peux te résumer ça en une phrase, c'est ta contribution envers tes clients. Tu sais, c'est à... parce que j'allais dire, c'est pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça peut être ton pourquoi personnel de je fais ça pour rembourser mes dettes. Ça n'a rien à voir avec ton client. Mais qu'est-ce que tu as à offrir à ton client? Donc, ma mission à moi personnelle, c'est que j'aide, j'accompagne, je guide les femmes en MLM qui veulent vivre de leur entreprise. Je leur enseigne des techniques de vente en douceur, de prospection sans pression pour leur permettre de vivre du succès et rehausser la crédibilité du modèle d'affaires en francophonie. Ça, c'est ma mission. Tu comprends-tu? Donc, c'est ma contribution envers mon client. Donc, si je donne souvent cet exemple-là parce que tout le monde connaît Tupperware, ce n'est pas parce que je la préfère aux autres MLM, c'est tout simplement parce que tout le monde connaît. Donc, si on dit, ben toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben là, moi, je suis Madame Tupperware, fait que je vends des plats de plastique. On passe à côté de l'essentiel. Si on dit, ben, je me suis lancée dernièrement avec l'entreprise Tupperware, donc ce que je fais, c'est que je viens aider les mamans débordées à retrouver le plaisir de cuisiner, à offrir des repas savoureux rapidement pour leur famille, à préparer les boîtes à lunch pour vraiment que les enfants soient heureux de manger à l'école, ta 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 ta. Donc ce que je fais, c'est que j'aide mes clientes à faire tout ça. Puis en plus, ben, je viens guider celles qui ont envie de se lancer avec moi pour leur permettre, elles aussi, de se bâtir un revenu. Comprends-tu? On est loin du plat de plastique. Elle est là, la différence, et c'est tellement important. OK? Donc, la mission d'entreprise, c'est quelque chose que tu dois travailler. Je t'invite à le faire tout de suite après le live. Tout de suite après. Merci beaucoup, Amandine, qui dit l'académie est tellement bénéfique. Ce que j'aime avec ma mission, c'est que plus j'évolue dans mon MLM, plus ma mission s'affine. Exactement. Aurélie, ça fait un bon bout de temps, là. Je pense que ça fait presque un an, toi, à l'académie. Mais c'est ça, c'est ta mission du départ dans le programme versus aujourd'hui où tu es rendu. C'est sûr que ça s'affine. C'est parfait comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Souvent, ça devient de plus en plus clair au fil du temps quand on évolue. Merci beaucoup à Daphné qui a identifié quelqu'un pour que la personne puisse être au courant du live. N'hésitez pas à le faire, hein. Identifiez les gens que vous connaissez qui sont sur le groupe. Pour leur permettre de... 18 mois déjà, mon Dieu! Dans ma tête, ça faisait un an. 18 mois. Waouh! Comme le temps passe vite. Donc voilà. Fait que là, vous avez connecté, vous avez posé des questions intelligentes et vous avez nommé votre mission. Si la personne est moindrement polie et qu'elle vous a demandé ce que vous faites dans la vie. Un coup que ça s'est fait, la quatrième étape, c'est de faire des liens. OK? Tu fais simplement des liens avec ce que la personne t'a dit. Écoute, avec ce que tu m'as dit, là, qu'en ce moment, il se passe ça dans la vie. En ce moment, il y a ça qui t'allume, tu as telle passion ou tu as tel défi. Avec tout ce que tu m'as dit, et là, on renomme ce qu'elle nous a dit, j'ai l'impression que le produit que j'offre pourrait vraiment t'aider. J'ai l'impression que mon opportunité ou j'ai l'impression que ce que je fais dans la vie pourrait vraiment te plaire. Faites des liens avec ce qu'elle vous a donné, Calvin. Parce que bien souvent,
On veut aller vers les gens en disant mon produit est extraordinaire pour telle, telle, telle raison, mais c'est peut-être pas ça qu'elle a besoin. Ou on veut dire une opportunité incroyable qui pourrait t'aider avec ça, 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 mais c'est pas ça que la personne veut en ce moment. Donc, c'est hyper important de faire des liens avec ce que vous avez réussi à trouver. Des fois, les gens ne nous disent pas grand-chose, puis là, ben, là, on y va avec notre feeling, mais quand la personne ose un peu parler d'elle, faites des liens. Puis, cherchez pas à combler le vide. OK? Quand, tu sais, idéalement, ça se passe par téléphone, bien idéalement. Les messages écrits, c'est moins cool. Les vocaux, c'est cool, mais c'est parce que quand c'est des vocaux de genre une minute, ben, si le téléphone ferme après 20 secondes, il faut le recommencer à partir du début tout le temps. Ça, c'est plate un peu. Donc, bref, tu sais, faites des messages courts, là, vraiment, vraiment, ou sinon, favorisez vraiment l'appel, tu sais, mais bref. Donc, c'est ça, de dire avec ce que tu m'as mentionné, de ça, de ça, de ça, j'ai vraiment l'impression que mon produit pourrait être bon pour toi. Et là, on laisse aller. Elle répond quoi à la personne? Pas, j'ai vraiment l'impression que mon produit serait bon pour toi parce que c'est le meilleur produit du monde, puis parce que si, puis parce que ça, puis parce que ça, puis là, la personne est déjà mêlée. Tu sais, on laisse planer quand même le vague un peu, la curiosité. Tu sais, on ne veut pas vomir notre opportunité ou notre produit. Donc, même chose que ce soit le produit ou que ce soit l'opportunité, j'ai l'impression que ce que j'ai entre les mains pourrait être quelque chose de bon pour toi. OK? Fait que ça, c'est vraiment, on fait des liens. Et là, si la personne dit, ben, c'est quoi les produits? Ben, c'est quoi au juste? Ah, oh, je suis pas sûre de comprendre, blablabla. Là, il va être notre offre. Ben, écoute, est-ce que tu serais ouverte à ce qu'on se fasse un vidéoconférence? Est-ce que tu serais ouverte à ce qu'on aille prendre un café? Est-ce que tu serais ouverte à ce que je t'envoie des échantillons? T'sais, est-ce que tu serais ouverte à aller plus loin finalement? Ça, c'est ton offre. Et de là, le reste va s'en suivre. OK? Fait que je suis pas allée dans tous les détails du processus de prospection, puis on n'a même pas commencé le processus de vente, mais au moins ça te donne une bonne idée, une bonne ligne directrice pour t'aider à savoir, ben, la conversation, quand je la commence là, avec quelqu'un, à quoi ça pourrait ressembler. Bonjour Annie! Je me soigne grâce à l'Académie pour les appels. Yes, je propose des appels le plus souvent et ces personnes en face qui n'osent pas. Avant, c'était moi. Ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas normalement. Je suis vraiment fière de toi, Amandine, d'oser le faire. Puis tant mieux si l'Académie est une des raisons qui t'a aidé là-dedans. Je suis très, très, très heureuse de le savoir. Merci beaucoup à Véronique qui a identifié quelqu'un. Que veux-tu dire en disant de ne pas combler le vide? Ben, c'est parce que des fois, c'est ça, ma belle Marie-France, tu as peut-être écrit le commentaire avant que je l'explique, mais c'est ça, c'est que des fois, on dit, écoute, j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu m'as dit, mon produit serait bon pour toi. Et là, on part. Parce que c'est un produit qui est certifié ça, parce que ça respecte l'environnement, parce que si, parce que ça, parce que ça a fait des preuves, veux-tu des témoignages? Puis là, on y va, là. Puis là, la personne de l'autre côté est comme, wow, elle est ben trop intense, pas sûr que ça me tente d'être intense de même. Comprends-tu? Donc, de juste dire, j'ai l'impression que ça pourrait te plaire. Puis d'attendre un peu. Puis là, si vraiment on n'a pas de réponse, on ira de l'avant. Mais sinon, laissez la personne vous dire, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ou, ben, c'est quoi au juste? C'est quoi les produits? Je ne suis pas sûre que je comprends. Comment ça fonctionne? Laissez la personne cheminer et vous parler de la suite. Surtout si vous êtes au téléphone. Ah, ça, c'est vraiment bon. Si vous êtes au téléphone, je sais que ça crée des malaises parce qu'on n'aime pas le silence. Mais c'est fantastique. C'est une technique en vente. Qui est vraiment pas agressive et tout ça, mais de laisser le client cheminer et se commettre. Parce que si je suis au téléphone et je te dis, mon Dieu, avec tout ce que tu me dis là, le fait que tu manques de temps avec les cocos, le fait que tu cherches un nouveau défi, que tu es comme tanné d'être où est-ce que tu es, hey, j'ai comme vraiment l'impression que ce que je fais dans la vie, là, ça pourrait peut-être être bon pour toi. Comprends-tu? Là, je dis rien. La personne au bout du fil, là. Elle est pas mieux avec le silence que toi. Donc, elle va dire, OK, c'est à mon tour de parler. Et elle va mettre de l'avant ce qu'elle pense, ce qu'elle réfléchit, ce qui l'angoisse, tu sais, bref. Et là, ça va être beaucoup plus facile de continuer la conversation pour répondre à ses besoins et non pas pour juste flasher toute ton affaire. Comprenez-vous la différence un peu? Bon, génial. Exactement, c'est un dialogue et non un monologue. C'est en plein ça. Marie-France, écoute, j'aurais pu dire ça, puis ça aurait été bien plus simple, hein? Mais c'est exactement ça. Et merci à toi d'avoir tagué Jannick. Donc voilà, et après tu fais ton offre. Fait que ça vous sert un peu de guide par rapport à ça. Pour toutes celles qui se posent mille et une questions sur mes services, sur whatever, sur les prochains événements, sur les ci, sur les ça,
J'ai pas mis le lien dans la conversation, voyons, j'ai pas mis le lien dans le texte du live parce que Facebook aime pas se faire ça. Fait allez au nancyfortin.com. OK, c'est très simple, là, nancyfortin.com, il y a un bouton vert, vous cliquez là et en cliquant sur le bouton vert, vous allez voir, vous allez avoir accès à tout. Donc si tu veux en savoir plus justement sur mon programme de l'académie, c'est là. Si tu veux accéder à la boutique en ligne parce qu'il y a une boîte à outils virtuelle 100% gratuite sur la boutique, ben tu as accès à la boutique. Si tu veux t'inscrire pour le prochain webinaire, il y a là aussi. Donc en terminant, n'importe quoi que tu veux savoir sur moi, nancyfortin.com, ça va être tout simple. Ensuite de ça, je te demande un service. Bon, super contente, j'aime ça des messages comme ça. Nancy qui me dit « Wow, c'est vraiment clair. » Good. Ah, oh, Facebook, Amandine, des fois, il aime ça, des fois, il aime pas ça. On ne sait plus ce qu'il aime, Facebook. Mark Zuckerberg, là, que, en tout cas, faut le dire vite parce qu'il écoute nos lives en plus. Pas sûr à quel point qu'il n'est pas bipolaire parce que des bouts, il aime quelque chose, des bouts, il l'aime plus. C'est un autre sujet. Donc, bref, je te demande un service en finissant. N'invitez pas les gens sur le groupe en pesant sur le bouton inviter, OK? C'est pas bon pour mon groupe, c'est pas bon pour ma notoriété Facebook pour la simple et unique raison. C'est pas grave si tu l'as fait, merci de l'avoir fait. C'est que les gens voient pas toujours la notification passer. Donc, si on invite des gens qui ne joignent pas, c'est pas bon pour, c'est pas bon pour la notoriété du groupe. Donc, je t'invite sincèrement, s'il te plaît, en terminant, c'est le service que je te demande aujourd'hui. Si tu as aimé le contenu, si tu penses que ça peut en aider d'autres, prends le temps soit de peser ce bouton inviter et de les contacter en privé ou sinon de contacter les gens que tu penses que ça peut aider en partageant tout simplement le groupe MLMF Pro. Fait qu'ils peuvent faire une recherche, là, recherche Facebook MLMF Pro dans les groupes puis ils vont nous trouver. OK, fait que je peux bien vous l'écrire là. Je peux bien vous l'écrire, mais c'est assez simple. MLMF Pro. Dans les groupes, ils devraient être capables de trouver, vous devriez être capable d'arriver au bon endroit. Sinon, partagez juste le lien du groupe si vous l'avez, là. Mais bref, c'est ça, ce que je vous demande en terminant, de partager vraiment cette information-là avec les gens. Vous pouvez juste faire un post aussi sur vos groupes d'équipe ou peu importe. Mais bref, invitez le plus de gens possible parce que je vais être là vraiment pendant 2 semaines. Je veux aider gratuitement le plus de monde possible. Et parmi ceux-là, bien, ceux qui décideront de devenir clients avec moi, ce sera parfait. Ce sera un grand merci. Mais pour tous les autres, ça m'aura fait plaisir quand même de vous aider. Donc, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. On s'en parle très bien. Très bientôt, pardon. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort. Et je vous dis à tout de suite. Bye bye.